Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire voir les Papercraft 7. Alors, j'espère que c'est des nouveaux. Je ne sais pas. Il y en a un que j'ai un doute, deux que j'ai un doute, mais les autres, je pense que c'est des nouveaux. Et aussi de chez Action, du coup. Et donc, pour les découvrir, les Luxe Paper Block, les deux que j'ai pris. Je vais peut-être en prendre d'autres. Et les cartes que j'ai faites pour Amélie et pour créer Amélie. Pour le scrap d'Amélie et créer Amélie. Donc, d'abord, je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour créer Amélie. J'ai mis félicitations pour tes 1000. Et je lui ai fait une petite carte comme ça. J'ai mis du strass là. Là, j'ai mis un tag que j'ai en beau. Que j'ai. Je vais voir plus près. Que j'ai tamponné à la Every Green, je crois. De chez la Distress. Voilà. J'ai mis une fleur de chez Action. Une petite strass dans la perle. Et voilà, le félicitations, ça vient de chez Aladdin. Donc voilà ce que j'ai fait pour créer Amélis. Et pour Amélie, le même papier, j'ai repris, parce qu'il me reste une chute, et j'ai fait ceci. Félicitations, j'ai mis une petite fleur de chez Action et j'ai mis des strass. Voilà. Et j'ai fait le dos comme ça. Là, j'ai pas fait de dos, mais là, j'ai fait un dos. Voilà. Hop là. Et j'ai ancré ma carte. Là, on le voit pas trop, si on le voit un peu. J'ai ancré en vert. Voilà. Mes deux petites créations. Ensuite. On continue avec les Papercraft 7. Je vous mets mes mains. Hop. Alors, on va commencer par celui-ci. Le Papercraft 7 marron. Pour vous repérer, il est marron. Il est marqué en étiquette For you, for you, for you, for you, for you. Voilà. Donc, je vous l'ai fait voir. Les papiers. Donc, il y a fait deux stickers. Mais ouais, c'est vrai qu'il me dit quelque chose maintenant. Et ces feuilles-là. Mais est-ce que je l'avais pris l'année dernière? Ça, je sais pas. C'est joli comme page. Alors comme d'habitude, hein, c'est des craft sets pour vous repérer, ils sont faits comme ça. Comme d'habitude, il y a des grandes feuilles, des petites feuilles. Donc là, je commence par les stickers. Et les petites feuilles. On a 5. Voilà. Joli. Très très joli. La biche là, elle est jolie. L'ours. Ça, on a les tags. Ça peut très bien faire au tonal aussi. Hivernal au tonal. Ouais. Donc ça. Après, on a les die cuts. Pour les faire voir comme ça, ils sont jolis avec les animaux là. J'aime beaucoup ceux-là avec les animaux. Moi. Alors,
les mosses avec le loup là. Et ouais, j'ai un doute sur celui-là, c'est vrai. Et après, on a les grands papiers. Il y a quatre. Trop beau, j'adore cette couleur. Magnifique. Donc ça c'est pour le premier. On va ça après. Hop. Ça c'est pour le premier. Le deuxième que j'ai pas de doute, c'est celui-ci. C'est celui-ci, le Papercraft Set. Là, c'est en cuivré. Il y a marqué One Wish. Celui-là, j'ai pas de doute parce que franchement, les papiers me disent rien. Donc, je pense que celui-là, c'est vraiment le netui, ça c'est sûr. Voilà. Les deux petits stickers. On passe au papier A5. Il est magnifique. J'aime beaucoup, que ce soit les deux côtés, j'aime beaucoup. Pour un album déstructuré. Il est vraiment magnifique celui-là. Ouais. Celui-là, non, j'ai pas de doute, celui-là. Là, je suis sûre qu'il est un inédit. Hello Winter. Spécial mail. Il est vraiment beau. Feuille et tout. Il y avait des feuilles sur les anciennes. Ouais. Magnifique. Donc là, on passe au die-cut. Regardez-moi ça avec le petit écureuil, le petit renard. Comment il est mignon. Ah, il est trop mignon celui-là. Je pouvais que craquer. Ah, il est trop beau. Avec là, l'herbe, il est magnifique là. Puis même le rondin de bois, le petit truc. Ouais, non, non, il est beau celui-là. Donc là, on passe au papier A4. Il y a une feuille. Deux feuilles. J'aime bien les couleurs. Trois feuilles. Ah, j'adore ce fond. Il est magnifique. Il est magnifique le fond, comme ça. Magnifique. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Celui-là, je suis sûre que c'est un... C'est un inédit, celui-là. Sûr. Je ne me rappelle pas, sinon. C'est plus possible aussi, non ? For you, for you. C'était celui-là. Hop, le Open Vis. Donc celui-là, plus dans les tons verts. Il me dit quelque chose celui-là. La petite fille me dit quelque chose. A voir s'il est un inédit ou pas. Je vais regarder dans les papiers, de toute façon, ça va m'aider. Là, on passe au papier A5. Oh oui, ça me dit quelque chose, mais non, en fait. Je me rappelle pas de ce papier là. Il est magnifique. Les petits tags. Magnifique. Mais il est
peut faire automnal avec les champignons là. On peut prendre des trucs d'un peu de l'automne hein, là-dedans. Fait hivernal et automnal. Il est beau. Ouais, il est beau. Ouais, avec le Yeti là. Ah non, mais il est trop beau. Non, c'est pas le même. Ou je m'en rappelle pas sinon, mais c'est possible aussi avec tout ce que j'ai. Il est magnifique. Voilà. Il est vraiment magnifique. Non, je l'ai pas celui-là. Je crois pas. Bon, ça me dit rien. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Il nous en reste un. C'est le Papercraft 7 noir. Donc, c'est celui-là. Pour vous repérer, c'est celui-là. Avec marqué Hug and Kiss. Alors, les papiers à 5. Les plus basiques, celui-là. Mais ils sont pas quand même. J'adore. Je passe un peu plus vite. Les die cuts. Tout joli. Et les papiers. Donc les papiers, c'est du basique, mais j'aime bien les couleurs. Voilà, franchement, ils sont tip top, trop beaux. Et là, je vais vous faire voir les deux Luxe Paper que j'ai pris pour le moment. Je vais sûrement en prendre d'autres. Donc, j'ai pris celui-ci avec le pain d'épices. Est-ce qu'il est trop beau? Alors, lui, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Peut-être plus facile pour vous faire voir. Voilà. Il est vraiment magnifique. Avec les papiers comme ça, ils sont vraiment très très beaux. Très épais en plus, donc ça c'est très bien. Là c'est des petits sapins. Là, là, là. Là les die-cuts, regardez-moi ça, cette maison là, comment elle est belle. Cette maison, puis ça aussi, ça me... j'adore cet univers en fait. Trop beau le parc de stop et tout. Non, trop trop beau. On va pas craquer sur celui-là. Mais là il y a du foil de foil rose gold et noir. Celui-là, et pour finir, j'ai pris celui-là. Il est magnifique celui-là, j'adore les couleurs dans les roses. Là, c'est le foil rouge. Là, c'est la feuille rouge. Happy Holiday. Je le refais voir mieux que qu'avant.
vous ai fait voir. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau, le casse-noisette là. Il est trop beau, le cheval a basculé et tout. Ouais, franchement. Ho ho ho, craquette, craquette. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Père Noël, il est là. Et le foil est rouge et noir. Voilà. Voilà pour ma vidéo. Voilà pour ma vidéo. Pardon, excusez-moi. Voilà pour ma vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.